Salut tout le monde, c'est Noms. Aujourd'hui, j'avais envie de drague. Eh oui, j'étais d'humeur à pécho, le mâle, l'homme. Donc du coup, on se retrouve sur Amour Sucré, un jeu où tu peux draguer. Première étape, créer son personnage. Alors, nous allons prendre... Oui, bon, ok, j'ai une explication logique à mon pseudo. Simplement, Dooms, ça marchait pas. Donc écoutez, elle s'appellera Sklo... Sgo... Sglo... Sgoim. Alors, nous allons lui mettre les cheveux longs. Ouais, je la préfère. Faites voir ça. Non, je préfère les cheveux longs. Ok, couleur de cheveux, on va partir sur un petit rosé, non? Quoique j'aime bien violet, ça change un peu. Allez, on va laisser violet. Modifier mes yeux, alors... oui, on peut tester, ça fait quand même un air un peu salace, ça. Ah, il est beau gosse, ce mec, je me le ferais bien. Ouais, bon, là, elle est shootée. Elle est pire que shootée. Ok, là, elle est carrément endormie. Non, mais attendez, ça veut dire là qu'elle fera tout le temps un clin d'œil? Sans doute, je m'appelle Sgloim. Et toi? Reviens! Pars pas! Ok, d'accord, c'est bon, ça commence. Alors, je vais pécho du mec. Alors, ils sont où, les gars? S'il te plaît. Alors, les garçons ont leur habitude, tu trouveras plus facilement certains garçons dans certains endroits. Ah, mais attendez, je chasse du Pokémon ou du gars, là? Il y en a qui sont cachés dans les buissons, c'est ça? Ce sont les endroits qu'ils préfèrent en général, mais attention, ils n'y sont pas toujours. De même, certains sont plus faciles que d'autres à trouver, mais pas forcément à séduire. Tu me suis? Non, non, j'ai pas compris. Bon, non, c'est bon, on a compris. Donc, tu vois cette barre à droite? On a carrément un lovomètre, s'il vous plaît, les amis. Quand tu discutes avec un garçon, cette barre diminue ou augmente. Ok, d'accord. Super, on va mettre ça en application tout de suite. Retourne dans la pièce à droite et échange 2-3 mots de politesse avec un ami à moi qui est là-bas. Je t'attends ici. Ok, d'accord. Ok, salle des délégués. Il est là-bas? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais je vais pas draguer ça, moi. Non, ah non, je refuse. Ah, mais attendez, il a plus de cheveux que moi. Bonjour. Alors, tu viens d'arriver sur Amour Sucré. Moi, c'est Dimitri. Je suis ravie de te rencontrer. Moi-même? Merci. Alors j'ai le choix entre moi aussi, ravie de faire des reconnaissances, Dimitri, ou moi? Je suis pas juste là pour les explications. Écoutez, je vais répondre ça. La gueule qui fait. Il y a des façons plus polies de faire remarquer à quelqu'un qui nous dérange. Oh, bon, j'espère que tu t'amuseras bien sur Amour Sucré. Ok, moi je m'en vais là. Non, mais attendez, c'est pas du tout ma cam, ça. Je refuse de parler à cette étrange personne. Je suis sûre il est parti comme ça, vous voyez. Je m'en vais. Bon, laisse-moi retourner au cours. Oui, bon, alors déjà de retour. Non, mais alors ça s'est très mal passé. Écoute-moi, ce n'était pas du tout ma cam. Je ne suis pas très fan du film Dracula, écoute. Ok, même si tu es là uniquement pour les explications, tu aurais pu faire un effort. Hein, ok? Son travail n'est pas drôle. Tous les jours non plus. Attends, j'en avais rien à foutre, moi, t'as vu sa gueule. Bref, à la fin d'un épisode, tu auras accès à un rendez-vous avec le garçon avec qui tu auras le plus d'affinité. Et il y a donc toujours des fins différentes qui dépendent de tes choix. Lorsque tu accèdes à un rendez-vous, sache que tout n'est pas gagné d'avance. Tu dois choisir les vêtements qui plairont au garçon en question et parfois répondre correctement à ces questions. Si tu réussis ces étapes, alors ton rendez-vous sera un succès. Tu as bien suivi? Je crois que c'était plus simple d'aller chasser du Pokémon. Je te conseille quand même de guetter ta tante à chaque épisode. C'est une dame très marrante, toujours prête à te donner des vêtements ou objets uniques et exclusifs. Bon, je sais que les mecs c'est chouette, mais tu rencontreras aussi plein d'autres personnes plus ou moins sympas. Tout le monde n'est pas comme moi, tu vois. Ok. Bon, c'est bon, on va commencer l'épisode 1, et ça, c'est ma tante. Ok. Ok, t'as pris combien de grammes de cocaïne, ma chère tante? Oh, ma chérie, c'est moi, ta tata. Comme tu viens de finir le tutoriel d'amour sucré, voici une petite chose pour t'aider à avancer dans tous les autres épisodes. Je rajoute des mots. Bon, allez, vas-y, on va commencer un épisode. Ouais, bonjour, madame. Bonjour, Sklo... Appelez-moi Slogogo, s'il vous plaît, merci. Bienvenue dans le lycée Sweet Amouris. On prononce le S, madame? Madame, on prononce le S. J'espère que vous vous habituerez rapidement à votre nouvelle école. J'aimerais bien qu'on passe des fringues, parce que je vous signale que je suis en pyjama, non? Je vous suggère d'aller voir Nathaniel, le délégué principal, afin de vérifier que votre dossier d'inscription est bien complet. Il pourrait pas me passer des fringues? Il doit être en ce moment dans la salle des délégués. Est-ce que je vais le voir directement, ou je vais visiter le lycée? On va lui... Vas-y, on va aller le voir. Oh, bonjour, toi. Tell me a secret. Bonjour, je cherche le délégué principal. Ou salut, t'aurais pas vu un assez dans le coin? Vas-y, on va faire la bouffe de première. Et toi là? C'est moi le Nathaniel, tu as besoin de quelque chose? La directrice m'a demandé de venir te voir pour mon dossier d'inscription. Tu dois vérifier mon inscription, c'est la directrice qui l'a dit. Allez, on va rester poli. Oh, tu es la nouvelle? Bien sûr, je vais regarder ça. Tu es bien jeune, dis donc. Tu es célibataire dans la vie? Il s'est retourné et a farfouillé parmi ses papiers avant de revenir vers moi. En effet, il manque quelque chose pour ton dossier. Il te faut encore une photo d'identité. $25. De frais de dossier. T'es sérieux? Non, mais attendez, c'est quoi ce lycée de riche? C'est pas gratuit? Et le plus important, il semble que tu as oublié de rendre une des feuilles du formulaire d'inscription, celle avec la signature de tes parents. Il faudra que tu la ramènes également, merci. Bah, comment te dire qu'actuellement je n'ai pas de parents, j'ai une tante sous cocaïne? Ça passe ou pas? C'est pas bien grave, c'est que des papiers après tout, j'ai tout préparé moi-même, tu es sûr? Bon, alors je te laisse tout ça et je repasse quand c'est fini.
Moi, je lui dirais bien, j'ai tout préparé moi-même, tu es sûre? Tu sais, avec les yeux comme ça, ça passe ou pas? Ah, j'aurais dû prendre le clin d'œil, c'est sûr! Bon, allez, on va essayer de voir. Ah, ça marche, et dans le doute, je vais vérifier que ton formulaire ne soit pas glissé dans un autre dossier, alors occupe-toi de réunir l'argent de la photo. Ok, mais sérieusement, je dois aller faire des photos, c'est ça? Oh, tu es encore là? Oh, c'est le gogo. J'ai oublié de te dire. Je suis désolée, mais finalement, ton inscription ici ne pourra pas être finalisée. Oh, t'es sérieux, c'est une blague, ça? Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça? C'est pas moi qui allais prendre la cocaïne, c'est ma tante. Tu verrais ta tête? Alors, c'est une blague, non? Trop nulle ta blague. Je crois que c'est pas trop ça tes blagues. Mais c'est pas une blague, tu m'as fait peur. Je lui mets trop nulle ta blague. Oh, genre, il est vexé. Eh bien, si tu prends comme ça. Oh, c'est quoi ce. Sérieusement, il est parti? Le mec, il a trop pas d'humour. Attendez, c'est bon, je veux juste déconner. Mais il est où? Reviens, délégué. Reviens. Ça a l'air de quoi là-dedans? What? Non! Non! Où est la porte? C'est moi. Et ce logo. Oh, putain, j'aurais pas dû l'appeler comme ça, sérieusement. Tu vas bien? Et qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Ça va bien, et toi? Comment ça se fait que tu sois ici? Qu'est-ce que. Ah ben, on le connaît ou pas? Non, mais attendez, je suis nouvelle ici, je connais déjà quelqu'un? C'est quoi? C'est mon frère? Vas-y, qu'est-ce que tu fiches ici? C'est comme ça que je réagirais, moi. J'ai appris que tu déménageais, alors j'ai demandé à être transféré dans la même école que toi, j'espère que tu es content. Psychopathe, psychopathe, psychopathe. Ok, on va se tailler, mais en douceur, hein, écoutez, ouais, c'est super, mais j'ai encore des choses à faire, moi, salut, allez, on s'en va. Ah bon, d'accord, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Et si tu veux, je peux te regarder prendre ta douche, non? Bon, c'est bon, on s'en va. What? Attendez, je suis partie. Bonjour, je suis nouvelle, je cherche quelqu'un pour me faire visiter. Non mais sérieusement, vous avez vu sa tête? Il a l'air tellement aimable, le gars. Allez, on va essayer d'être gentil. Bonjour, je suis nouvelle. Et alors? Ok, bon, on y va, on se casse, on rentre à la maison. Ok, c'était le sacré connard du lycée. Hein, écoutez, on va... Ah non, pas lui! Ah, je peux plus, dit au fait. Tu aurais pas de l'argent pour me faire de frais de société? Ah, mais je suis vraiment une petite culasse quand même, regardez, je lui demande de l'argent quoi, alors je sais que le mec il est amoureux de moi, mais moi je m'en fous quoi. Oh ma pauvre, tu n'as pas assez, il reste un peu d'argent, tiens. Où est-ce que t'as fait ta photo d'identité? Je l'ai fait dans la boutique du vieux monsieur en ville. Ok d'accord, merci, j'ai oublié ton prénom, je sais même pas s'il m'a donné son prénom. Du coup je peux partir? Ah, faut que j'aille en ville. Ah, je suis con en fait, il fallait que j'appuie sur la barre. Oui, il y a des onglets aussi qui me permettent du coup de bouger, et j'ai l'onglet mes mecs. Ok, parce que la polygamie c'est cool. Magasin bazar, c'est pas ça? Ah, ça doit être le vieux. Oh là là, c'est le vieux. Oh mon dieu, il a forcé sur le Botox. Bienvenue dans la boutique de cadeaux. Je m'en fous, je vais juste faire des photos. Allez, achetez. Un magasin de vêtements, est-ce que je peux m'acheter des fringues, s'il vous plaît, parce que je suis en pyjama depuis tout à l'heure. On va prendre un uniforme vert parce qu'elle a des yeux verts, tu vois. Voilà, ça va bien ensemble. Oh, j'ai plus 80 boules. Oh non, j'ai... Oh, vas-y, tant pis. On a plus de sous, elle aura ses petits chaussons, voilà. Oh putain. Oh, ça m'a fait peur, j'ai voulu aller dans l'appartement. Mais c'est quoi ces boutages? Regardez-moi ça. Voilà, on a sa tenue. Par contre, c'est vraiment une micro jupe. J'ai plutôt envie de dire, c'est carrément un petit bandeau, tu sais, les bandeaux que tu mets pour les cheveux, bah elle l'a mis là. Bon, allez, on retourne au lycée. Voilà, c'est bon. Ouais, voilà. Salut, Nathaniel. Ouais, quand même, pourquoi je lui parle comme ça? On dirait vraiment une beauf de service. Ah, en effet, je suis désolée, il était bel et bien mélangé dans d'autres papiers, je te l'ai mis de côté, voilà, tiens. Tu remets pas de l'argent pour les frais de dossier aussi? Bah, je peux lui demander de l'argent, attends, c'est lui que je dois lui remettre. Non, mais tu vas où là, ce gogo? Mais d'où il me faut de l'argent? J'en peux plus, j'ai lui. J'ai des cadeaux, tu en veux? Non, merci. What the fuck, c'est qui elle? Ok, alors là, on a Brenda, là, on a Jennifer, et là, on a Erica. Et toi, la nouvelle? Oui, bonjour, c'est moi, oui. Ah, est-ce que t'aurais pas des chaussures? J'ai que des chaussons. Eh bien, entre toi et l'autre nouveau, on n'est pas gâtés. Pas vrai, les filles? Ok, d'accord, alors on a les gars du lycée, super. Par contre, c'est dire qu'il y a un nouveau? Il y a un mâle à pécho, c'est ça? Oh, madame la directrice. Ah, mademoiselle, vous avez pu finir votre inscription? Ah oui, voilà mon dossier. Voyons, je vais pas récupérer des feuilles volantes comme ça, trouver un trombone. Mais sérieusement, au moins pour les attacher ensemble et revenir me voir. Vous me faites chier? Vous me faites clairement chier, madame la directrice. Je vous le dis, moi, je ne prends pas de gants. Ken, tu as trop... Ah, il s'appelle Ken. Ken, t'as pas un trombone pour moi? Avouez qu'on a toujours eu... On connaît quelqu'un, que ce soit au lycée ou au collège, à qui on demandait n'importe quoi. C'était le mec ou la fille la plus gentille ou le plus gentil, et on lui demandait à chaque fois s'il avait pas quelque chose. Mais on voulait pas trop être son ami aussi. Non mais si j'en trouve un, je te le donne. Ok, d'accord. Ah mais il n'y avait pas un trombone là? C'est un trombone ça? Trombone a été ajouté, voilà. Ah c'est bon madame, j'ai trouvé le trombone. C'est votre dossier complet mademoiselle, bien. Merci, donnez-moi ça. Cette fois-ci, tout y est. Vous êtes officiellement élève à Sweet Armory, à Monhey ou je sais pas quoi, c'est la fin des cours. D'ailleurs, vous pouvez rentrer chez vous. Ok, j'ai fait que ça de la journée. Courir après mon dossier. Oh, Nathaniel. Slugugo, attends, je n'ai pas eu le temps de te faire... le tour du lycée, mais je peux au moins te montrer la bibliothèque si tu veux.
Ah, j'ai gagné une tenue? Tu n'as plus de dollars pour le moment. Tu en veux plus? C'est très simple. Tu as plusieurs possibilités. Soit tu te prostitues, ou soit tu deviens tueur à gages. Non, bon, ok, j'exagère un petit peu. Bon, soit j'attends demain ou je vais à la banque. Ah non, en fait, il faut que j'ai un rendez-vous, j'ai un RDV, j'ai un rencard, je pense. Donc du coup, mais le problème, c'est que j'ai pas assez de thunes. What? Ah non, c'est payant, non, mais allez vous faire voir, je vais pas payer pour ça. Je ne crois pas, les amis. Bon, écoutez, je ne peux absolument rien faire, vu que j'ai pas assez d'argent pour continuer, en fait. Parce que s'il faut mon rendez-vous, il faut une tenue, parce que madame va mettre une tenue spéciale. Et je ne peux pas, parce que je n'ai pas les sous. Il me manque exactement 3 euros. Écoutez, et vu que... Comment il s'appelle? Ken, tu peux pas me donner... Tu peux me donner un petit peu 3 euros, là, s'il te plaît? Bon, et bien voilà, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. C'est assez important, en fait, parce que comme ça, je peux savoir si vous avez apprécié la vidéo, si j'en referai de ce même type sur ce jeu ou pas, ou si vous préférez autre chose. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus aussi à me suivre sur Twitter ou Facebook pour être au courant de mes actualités. Et puis voilà. Ah oui, et abonne-toi aussi, c'est très important. Sur ce, les amis, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Moi, je vais draguer. Salut !